tous. On est sur Twitch. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui ce qu'on avait commencé avec Perséphone, c'est-à-dire on va commencer dès le chapitre 3. Continuer à avancer un petit peu dans le jeu et discuter un peu aussi des dernières choses qui se sont passées avec la sortie de donc Captain Velvet Meteor. Donc je vais commencer peut-être par ça et ensuite jouer un petit moment puis laisser s'il y a des gens qui veulent venir sur le chat discuter un peu. Je sais que maintenant il y a Furax qui est en cours, donc je ne suis pas malheureusement je suis un peu trop loin pour suivre tout ça. Je suis aussi un peu trop pris dans ma tête en ce moment pour tout ça, pour essayer de faire en sorte en fait que Captain Velvet Meteor soit vu. J'ai essayé un peu tout, plein de choses, et en fait voilà, bah, je vais discuter directement de ça. En fait, avec la team, on a c'est vraiment en fait juste un acte pour nous, pour se relaxer un peu, mais on a décidé que ma foi mais un captain, c'était ce sera ce que ce sera. On n'arrive pas à faire plus, quoi qu'on fasse, quelle que soit l'énergie qu'on dépense, ça va pas faire un hit tant que notre publisher fait pas des choses plus intelligentes entre guillemets. On est encore en contrat, on se rencontre encore en contrat, donc pour l'instant je vais pas aller plus loin, mais il y a eu des erreurs vraiment fatales qui ont été faites dès le début, depuis une année déjà, que ce soit sur la release de la version Switch, avec vraiment beaucoup d'erreurs et de j'ai presque envie de dire des actions faites par amour propre, parce que genre il y a des licences manga, donc ça va le faire. Il y a eu pas mal de vraiment d'erreurs fatales, c'est-à-dire qu'en gros on va revenir en arrière. Après la dépense aussi, une dépense de l'argent de promotion mise dans des choses qui marchent pas pour un jeu indé, je dirais. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, ce que j'aurais fait, ce que je voulais faire à la base, c'est faire un trailer de 30 secondes qui déchire et balancer ce trailer et laisser les gens en fait se dire mais c'est quoi ça, et laisser les influenceurs ou laisser les gens qui vont en parler venir et dire bah on a des clés, si vous voulez tester venez, parce que le jeu est bon. Encore une fois, je d'autres là, mais le jeu est bon, il y a quelques problèmes. Là, on est en train de réfléchir quand même. On s'est dit peut-être qu'on pourrait mettre un bouton skip pour les levels de tutoriel, au cas où le joueur il a compris, il a pas envie de se taper chaque level. Il peut passer les levels. D'ailleurs, sur Twitter, il y a un petit sondage pour savoir si on met un bouton skip sur chaque level ou si on met un bouton skip sur la totalité du tutoriel. Mais le tutoriel, c'est aussi un peu un truc narratif. Il y a aussi une histoire dedans, donc... d'être faire ça, faire une sorte de tutoriel où on peut en fait passer vraiment chaque niveau si on a envie, si on se dit bon, non, ça j'ai compris. Donc ça c'est peut-être le petit truc qu'on va faire pour mais mis à part ça, ouais, le jeu est bon, il a 83 ou 82 sur PC et Xbox sur Metacritic. Top critique, il a des bonnes reviews, donc en fait là où ça a été complètement mal fait en fait, c'est que le jeu il est sorti et tout d'un coup ceux qui ont vu étaient là, ok, le jeu est sorti, mais personne l'attendait, donc c'était déjà ça pour Switch et Steam pareil, ils ont été dans des events, des choses comme ça. J'ai l'impression que notre publisher en savait autant que nous comment publier un jeu vidéo indé. Et donc voilà, je pense qu'un jour on fera un post-mortem sur tout ça, expliquant vraiment les détails. Moi j'ai été un peu cancel aussi de toute une partie de la prod parce que le producteur était pas content, parce que je disais ce que je pensais. Mais bon, en même temps, producteur japonais, probablement la soixantaine,
a jamais sorti de jeu indé, enfin il y a un truc comme ça. Aller plus avant si ça vous intéresse. Donc voilà, donc en gros avec la team on s'est dit bah voilà, on va faire le deuil. On va faire le deuil pas du jeu, parce qu'on a les versions physiques, on a une version de. Enfin il y a une version de luxe qui est sortie, on a réussi à chaque développeur en avoir une version avec la version de luxe et un poster double face avec les illustrations de Fabrice Ninzi et de David Taco, donc les deux artistes guests en gros. Fabrice Ninzi étant, et d'ailleurs j'aimerais bien, je lui ai demandé pour venir faire une interview ici une fois, donc peut-être qu'il viendra ici discuter. Donc j'espère qu'il y aura plus de monde sur le chat pour pouvoir lui poser des questions en direct. Mais Fabrice Ninzi, c'est un des directeurs artistiques de Dofus Wakfu. Il a travaillé sur Dofus Wakfu et d'autres depuis, genre, il a fait ça pendant 13 ans, je crois, avant de, justement, pendant notre collaboration, il était en train de vouloir changer de cap, mais bon, il en parlera mieux que moi. Mais du coup, voilà, on l'a eu en guest, enfin, c'est devenu un peu ami, disons, on s'est vu que online, donc c'est un peu compliqué de dire, mais en tout cas on s'entend bien, on a des discussions très intéressantes sur quand on parlait de Spirit aussi, nous on avait envie de bosser ensemble sur Spirit. Malheureusement Spirit n'a pas été signé pour les histoires dont j'avais déjà parlé avec Ubisoft qui s'est crashé alors qu'on allait devoir signer avec eux. On a quand même un passé de malchance assez fort et en même temps bah, aussi d'inexpérience à plein de niveaux, donc là on est en train d'apprendre plein de choses. Sur ces, sur, donc j'essaie de penser positif avec ça et du coup avec mon père on se dit bah voilà on fait un peu le deuil et on regarde de l'avant. On a un autre projet là maintenant après Spirit, on a essayé de vite fait faire vite fait oui et non, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire le plus vite possible pour faire un prototype d'une idée qui était sous-jacente depuis un moment avec Captain Velvet Meteor, d'ailleurs ça restera un tactical, mais plein d'idées qu'on avait qu'on n'a pas mis dans Captain et on s'est dit bah à faire et c'est en train de prendre une disons une forme qui est intéressante et que je me réjouis de voir justement peut-être trouver une solution différente un peu plus ouverte pendant la promotion la production, voir avec qui on signe, suivant avec qui on signe quelles sont les stratégies en fait qu'on peut utiliser et quelles sont les erreurs à ne pas faire surtout. Mais je pense que la première erreur à ne pas faire, c'est de signer avec un publisher parce que, voilà, nous c'était avec Captain Velvet Meteor, c'était juste de la chance. Donc on a eu de la chance en fait. Je suis content qu'on ait fait ça parce que maintenant on a fait ce jeu-là et on peut montrer, bah écoutez, on peut faire un jeu avec 8 licences. Il a 8 ans de. Suisse, hein, je suis suisse à la base. Donc je dis 8 ans de. 83 ou 5 ou sur Metacritic. Donc, des bons jeux ou en fait en tout cas pas des mauvais jeux. Je crois que 83 c'est quand même c'est bien pour un dé, c'est notre deuxième jeu donc c'est content et ça sera une carte de visite en fait mais ouais c'est compliqué mais en même temps ça fait du bien de laisser ça derrière et de se dire que il n'y a plus tout sur les épaules et que je peux rien y faire parce qu'en fait ça aurait dû être fait avant. L'argent qu'ils ont utilisé, ça a été utilisé dans des trucs. Bah, pour Lego, c'est cool, mais c'est pas. Par exemple, il y avait le. Je crois que je vous avais montré. Tout. On a eu, je crois, 3, 4, 4, 4 fois, on a eu notre jeu qui est apparu dans des. Ça, c'est le V-Jump, donc c'est le. C'est pas le Shonen Jump Weekly. Enfin, c'est pas le Weekly Jump. C'est V-Jump, c'est quoi? Je sais pas exactement quand il sort, je sais plus si c'est mensuel. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent plus que moi, je suis vraiment désolé, mais je travaille avec des licences et pourtant je connais pas grand-chose. Je suis encore à l'état où j'ai envie de relire les Dragon Ball, limite Dragon Ball Z, allez, ça va être là, mais je suis. Mon amour pour les mangas, vraiment, c'est Dragon Ball, et ensuite ça va sur des trucs un peu plus genre Monster ou 20th Century Boys de Urasawa Aoki, ou bien ce genre de choses. Ou bien les Taiyo Matsumoto, qui a fait Attack on King Crit, ce genre de gemmes, j'aime beaucoup.
En gros, voilà, on a eu un double page de double page de d'interview. Voilà. Et ça, à mon avis, donc ils n'ont pas été transparents avec ça, mais à mon avis, ils ont payé pour avoir cette double page. Malgré le fait que ça soit dans la famille Shueisha, bah, ils doivent raquer pour avoir des promotions dans leur propre truc. Et les events et plein de choses, mais vraiment, j'ai pas compris en fait. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait d'une certaine manière. Et en fait, vu que je comprenais pas, bah, je gueulais. Je disais, mais non, mais c'est pas possible. Et du coup, jusqu'au moment où le producteur, il a dit, oh, tu arrêtes. Il l'a pas dit comme ça, mais en gros, il m'a montré qu'il fallait que je la ferme. Et il a empêché en fait une partie de gens qui ont collaboré, pas directement dans mon repas. Des connaissances d'ailleurs, que c'est moi qui avais présenté. Il a coupé pour pas que ces gens-là me contactent. Parce que soi-disant, j'y connaissais rien. Et ouais, ça a été une. Je suis en train de dévoiler les trucs peu à peu là. On en parlera une fois, mais ça a été un sacré. Un sacré chemin, quoi. Et du coup, ouais, nous, on aura cette version de luxe avec justement le poster. Et dedans, il y a aussi un manga. Je me rappelle plus du nom maintenant, moi je suis nul avec les noms. Mais c'est un mangaka qui fait des choses intéressantes. Et il nous a fait un 30 pages de manga qui était normalement fait pour le digital, mais dans la version de luxe, on l'a en physique. Ouais, ça va être notre consécration. Et on va être bien avec ça, parce qu'en fait, on sait qu'on va pas. Enfin, on s'est mis dans la tête que de toute façon on n'allait pas vendre. Et que du coup. Captain Velvet Meteor, c'est du passé pour nous. Et il faut aller de l'avant, quoi. Voilà, mais c'était du coup ça, la petite introduction pour Captain Velvet Meteor. J'avais une deuxième chose que je voulais un peu dire, que ce soit pour YouTube ou pour ici. Je sais pas à quel point j'ai du temps, en fait, pour faire... Ah, pas facile de s'entourer de la bonne équipe, pourtant essentielle dans tous les projets. Salut Yashinchi. Ah oui, bah c'est ça. Et la bonne équipe, en fait, il suffit d'une personne. Là, par exemple, nous, notre problème, en gros, c'est que c'est le producteur. La personne qui est venue faire le producteur à un moment donné dans le projet, au début, pour la production, ça allait très bien. Il nous laissait beaucoup de cartes blanches, mais dès le moment qu'on a commencé à parler de. Enfin, dès le moment qu'on a parlé de promotion et donc de thunes et donc de vente, etc., c'était fini, quoi. Enfin, le mindset qui ne fonctionne pas hors du Japon et qui même je dois dire même au Japon si tu fais pas des gacha games avec des collabos ça marche pas à la collaboration s'il y a tel personnage dedans alors ça va vendre et j'ai l'impression que par chez nous c'est pas comme ça. Le jeu il doit être bien, l'histoire elle doit être bien et ensuite s'il y a un personnage que tu connais, cool. Après les jeux Dragon Ball bien sûr tout le monde saute dessus mais c'est générationnel. Et bienvenue sur le chat, je suis content d'avoir quelqu'un. Voilà, regardez, mais après je parle toujours aussi aux gens du futur. C'est-à-dire qu'en gros, je suis assez relax à discuter aux gens qui regarderont sur YouTube ou comme ça. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un sur le chat, juste pour faire des allers-retours, c'est aussi assez agréable. Donc je voulais dire justement pour la deuxième chose, j'ai acheté on appelle ça caméra. Je vous dis les noms. C'est pour pouvoir jouer par exemple à la Switch et directement connecté à l'ordinateur. Et demain j'ai aussi un adaptateur pour les cartouches Game Boy. Comme vous voulez voir là derrière, là j'ai pas mal de cartouches Game Boy Advance. Et j'aimerais bien faire une petite session découverte ou ouais découverte de jeux, soit les jeux que j'adorais. Soit d'autres que moi-même je connais pas, il y a des jeux japonais là, quelques-uns, et se faire une petite session genre rétro, mais pas rétro PS2, genre rétro de mon âge, c'est-à-dire genre rétro Game Boy Color, même pas Game Boy normal, Game Boy Color, Game Boy Advance. Game Boy Advance, il y a beaucoup beaucoup de choses, donc peut-être s'arrêter à ça, mais ça pourrait être intéressant. Simplement, je sais pas combien j'ai de temps, donc peut-être de temps en temps à la place de la discute du dimanche, à la place de. Oui, à la place de faire en fait juste moi qui discute et qui joue, de vraiment découvrir quelque chose à la place. Quand il n'y a pas d'invité.
Mais voilà. Du coup, je vais lancer Perséphone. On en est. Je vais fermer ici. Chat. Un peu de musique. Normalement, ça devrait tourner par ici. Et on en était. Est-ce que je vais jouer avec la. Non, je vais jouer avec la manette. Et je continue à parler, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez interagir, discuter, je suis disponible. Et on s'était arrêté là. Donc je vais continuer depuis ici. Et voilà. Est-ce que la musique, est-ce que le son est bien? Est-ce que c'est pas assez fort? Deux secondes. J'ai toujours des problèmes avec le son. Et là, je me demande même s'il n'y a pas de. Oui, le son a l'air d'être ici. Est-ce qu'on entend bien? Bon, vous me redites. Ok, donc là, la glace. Quand j'ouvre ça, donc je dois poser un corps là-dessus. Et si je mets là, le corps meurt. Donc il faut. Faudrait que j'ai le boulder juste derrière moi. Hello! Cool, super alors. La dernière fois, je croyais que le son était correct et en fait, quand j'ai vu la version YouTube, j'étais là. Enfin, on n'entendait rien du son du jeu quoi. Il y a vraiment un problème de retour encore. Ah voilà, là c'est fait. Ce qui était assez cool avec Persephone là pour les level design, c'est qu'on a tout fait à la main, vraiment sans procédural d'abord ou quoi, on avait vraiment tout fait à la main. Et du coup, le but c'était toujours d'avoir comme vous avez vu sur le dernier level là, où juste si on fait un pas, ça se ferme juste derrière nous, ce genre de feeling où t'as l'impression d'avoir juste réussi à faire. Ah ouais, tombé tombeau. Et bien, c'est aussi que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et du coup, ah voilà. Du coup, je vais pas d'une traite forcément. Je découvre encore. Qui a joué d'ailleurs à Perséphone dans le chat là? Enfin, sur les deux. Est-ce qu'il y a un de vous qui a joué déjà? Ça, je sais que je dois mourir. Il est pas cher, il est disponible sur. Il est disponible sur Switch, Steam. GOG, est-ce que non, attendez, pas GOG. On avait tenté GOG et ça avait pas marché. Steam, Xbox. Attends, là je meurs d'un coup donc. Ah ouais, ok. On va pousser cette pièce avec des corps. Et ensuite je vais glisser parce que je crois qu'on glisse, on va plus vite que les lasers. Et du coup, je devrais me retrouver. Malin, hein. On faisait les petits malins et c'est là que le jeu commence à prendre l'ampleur en fait, c'est qu'à partir de cet épisode là la manière dont Perséphone meurt peut changer, c'est à dire que jusqu'à maintenant il y avait le corps voilà et là tout d'un coup elle se pète, l'altar de Médusa. Ok, cool, je fais des achievements, je savais même pas que. Jamais, ouais, jamais pris le temps de le finir. Tu en es où du coup dans le. Tu te rappelles un peu? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal. Mine de rien, enfin, c'est bien du coup, mais il y a pas mal de contenu en fait. Là, je suis au troisième chapitre, mais il y en a, je crois, 8 ou 9. 9 si on compte le chapitre secret qu'on a fait encore. On aime bien mettre des secrets. Ah, excellent! Ciao ciao, du coup tu t'en vas? Ou ciao ciao, salut. Donc si jamais Yashishi Perséphone, c'est notre premier jeu. Premier jeu officiel. Quand je dis officiel, c'est-à-dire qu'on l'a release, on l'a fait la promotion, on l'a sorti sur différentes plateformes. Et c'est un jeu de puzzle avec une centaine de levels.
Et à chaque fois, on... Ciao, ciao, salut. Excellent. Je suis content d'avoir du monde aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs, en fait, l'heure a changé chez vous, non? Donc maintenant, c'est chez vous, c'est 13h30. Mais chez moi, c'est toujours 8h30. En fait, c'est toujours... je commence à la même heure. Et c'est plutôt cool, à mon avis, parce que du coup, vous avez fini de manger. Est-ce que l'heure est mieux qu'avant? Ou pas? Est-ce que ça vous change quelque chose? Ouais, j'imagine. Let's go. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est mieux M. Ouh non, ok, ouais, ok. Excuse. Vous savez quoi? Sur mon OBS, les icônes ne s'affichent pas. Et du coup, je vois des messages un peu zarbi. Est-ce que je récupère? Ah, ça ira. Excellent, ouais, mais c'est cool. Alors, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que c'est vrai que j'ai pas malheureusement. Je suis papa de deux enfants. Je suis marié. Et quand on est dans cette situation-là, on prend pas le temps qu'on veut quand on veut. Reste que je bosse quand je veux, donc je pourrais encore faire. Ouais. Mais je me demande en fait si je pourrais pas faire la semaine parce que la semaine, en fait, vu que je suis en. Entre guillemets, en freelance, je suis pas en freelance, mais je suis mon propre patron. Un truc que je pourrais faire, c'est faire en semaine aussi. Ce serait un peu, ça peut, c'est pas grave si c'est pas la discute du dimanche, mais je pourrais faire en semaine. Mais le truc, c'est qu'avec la Suisse, en fait, pour trouver, par exemple, je pourrais pas jouer le soir. Oula, celui-là est compliqué. Je pourrais pas jouer le soir pour vous, parce que je sais qu'en général, c'est plus facile de regarder des streams le soir. Mais le truc, c'est que pour moi, votre soir, c'est genre ma nuit, quoi. Y a pas vraiment moyen, sauf à minuit. C'est-à-dire, en gros, si je fais un stream. Ouais. Si je fais un stream vers 7h du mat, c'est minuit chez vous, quoi. Mais je sais pas trop si je suis chaud. Sauf si vous êtes ok de me voir là. Non, mais même, en fait, je pourrais pas, bah, je dois réveiller les gamins. Tout ça quoi. Là, je me suis improvisé influence, non pas influenceur, streamer ces derniers temps. Donc, je vais essayer déjà de garder la régularité du dimanche. Ouh, là, je suis bien là. Ah non, je suis pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, y a Chichi, juste que comme tu découvres le jeu, comme tu peux le voir, Perséphone, c'est un truc autour de cette de ce petit personnage qui est Perséphone, immortel, mais ses corps restent, ses cadavres restent sur la map, jusqu'à un nombre de 3, et du coup, tu les utilises. Là, j'ai fait complètement par hasard en discutant, et il se trouve que c'est le bon jeu. Et du coup, tu utilises ça. Ok, c'était pas ça. Tu utilises ses corps pour te. Pas monter dessus, pousser pour déclencher des choses, etc. J'ai aucune idée comment je vais passer ça. Parce que là, du coup, si je. Oh! Oh! Mais voilà! Là, quand je vais commencer à devoir réfléchir, parce que jusqu'à maintenant, j'ai encore la mémoire. La mémoire musculaire qui se rappelle un peu des chemins, mais quand je vais devoir réfléchir, je vais devoir faire silence, je crois, parce que je suis un peu stressé là. Non! Non, ça sert à rien, pourquoi? Ah si, je sais pas, je fais ça. Et voilà, on peut commencer. Et vous, du coup, alors, Hazard. Hazard Lara. Hazard Lara et Yashishi. Est-ce que on a déjà discuté par le passé? Pas du tout.
ensemble. Donc. Est-ce que vous avez été à Polymanga? Est-ce que vous... Quel genre de... Vous n'avez pas besoin de dire un truc personnel, mais est-ce que vous êtes plutôt manga, plutôt jeu, plutôt des anciens potes? Des futurs développeurs? Les corps, c'est glauque. Ouais, alors c'est glauque quand on l'explique en fait. C'est-à-dire quand on dit, ben voilà, ce jeu, tu dois te suicider pour progresser. C'est là. Tu vois. Mais si j'explique pas et puis que je monte le jeu, tout va bien. C'est mignon. Ce level, je me rappelle parce que c'est moi qui l'avais créé. Je me rappelle qu'il était dur. Je ne me rappelle pas comment le passer. Ah. Ça sert à rien. Tu as fait un live painting pendant que je mixais une fois. Ça va te revenir. Ah oui. Excellent, welcome du coup. Je crois que je sais. Si c'était à Bulle, ça fait plaisir de te voir. Ce type de jeu manga BD européen chez la Polymanga. Excellent. J'allais à l'époque à Polymanga dessiner. Ah. Ça se faisait. Ça me manque un peu, puis en même temps, après avoir vécu 10 ans au Japon, bah, dans ce genre d'event, il y a vraiment une sorte de Japon qui ressort, mais c'est quand même très loin du Japon que je vis tous les jours. Et du coup, je suis dans une situation où je me retrouve un peu... Enjoy, parce que c'est genre nostalgique et un peu gêné en fait des fois. Parce que c'est un peu awkward des fois. Ce qui est très cool en fait, c'est ce que j'aimais bien aussi. Mais ouais. Et du coup je me demandais en fait si vous aviez vu Captain Velvet Meteor à Polymanga, parce qu'il était censé être sur le boost Nintendo. Et en fait j'ai appris dernièrement qu'il était pas. Et je vous dis, ce jeu il a... ce qu'on appelle au japonais noroi, c'est-à-dire une malédiction. Je pense qu'il y a un truc, il y a quelqu'un, un dieu de... Peut-être Perséphone, peut-être Hadès, tiens. Il n'a pas aimé le jeu qu'on a fait sur sa femme, sur sa meuf, là. Et du coup, il nous punit, ou j'en sais rien, mais Captain, il y a eu vraiment des suites de choses qui sont très bizarres, en fait. Parce que, ouais, on a des suites vraiment de genre, ça doit se passer comme ça et ça se passe pas comme ça. Si vous croyez au pouvoir de l'attraction, non, c'est quoi le pouvoir de l'attraction? Je pense qu'on a aussi un message qui nous dit, écoute les gars, c'est pas avec celui-là que vous allez faire un succès financier. Pas qu'il soit trop vu, laissez l'opportunité de... Je sais pas. Mais à part ça... Sans rigoler, le prochain jeu qu'on fait, on a fait un prototype. On a fait un prototype pour Spirit, donc d'abord. Et donc pour Spirit, est-ce que je dois... Spirit, ça a pas marché. Parce que c'était pas genre 2014, c'est pas le jeu des émotions et de la découverte. Apparemment, c'est plutôt... Peut-être les anciens jeux rétro au bout du jour. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, ouais, Spirit, ça n'a pas marché. Et du coup, on a fait un deuxième prototype. Et ce deuxième prototype, en fait, il s'avère que... Est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux? Non. Il s'avère que ce deuxième prototype utilise, en fait, le système de jeu de Captain Velvet. Et en fait, ce que je me suis mis dans ma tête, c'est que si Captain Velvet Meteor est pas trop connu, du coup, le deuxième jeu peut avoir les mécaniques de Captain Velvet Meteor et
les gens vont quand même pouvoir le découvrir. Ils vont quand même pouvoir le découvrir sans se dire ah mais c'est un même jeu que Captain. Et du coup, et ben ce deuxième jeu il va faire un carton. Vous voyez comme je me mets, comme j'arrive à faire en sorte d'utiliser mon mental. Non, pourquoi les casser? Pour essayer de me comment on dit, de faire en sorte que je sois sûr que il y a un sens derrière tout, alors qu'en fait probablement mais ça aide. Ok, là je crois que j'y suis presque. Ok, il en manque un du coup, mais pour celui-là il faut... coincé là, je suis coincé. Oh! Ah, parfait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais... ouais, Polymanga. Là, je reviens là. Ah, oh, je dois le refaire. Je cale le pétard entre mes dents. Maouais. Voilà. Ouais, les levels deviennent de plus en plus difficiles. Pas de polymanga cette année pour moi. Pas pour moi non plus, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien revenir en Suisse, là, un de ces quatre. Ouais, ok. Ouais, bon, les events en général, ça devient... ça peut tourner que par... malheureusement, que par des sponsors de... genre, typiquement, je crois qu'il y a eu un... de ce que j'ai entendu par un de mes collègues, justement, il y a eu une bizarrerie avec le sponsor. C'était quoi? C'était ça. Le sponsor Red Bull, non? Il y avait un truc genre. Il te filait des Red Bull dans un. Dans un, une bouteille. J'ai pas pigé exactement ce qu'il avait dit, mais en gros, il te filait du Red Bull dans une bouteille. Puis ça prenait des plombes et puis les boissons c'était un truc du genre. Ah merci. Ouais Spirit, vraiment il a du potentiel, mais il manque en fait une il manque un truc qui fait que ce soit clair. Je crois que ce que je suis en train d'apprendre là de plus en plus, parce que par exemple Persephone, son malus c'est que c'est un puzzle game simplement. C'est un jeu de puzzle et les jeux de puzzle ils sont pas. Ouais, les gens. Ah, je sais ce que je veux dire. Les gens ne sont pas. Enfin, les puzzle games, il y en a plein. Il y a plein de gens qui font des puzzle games et du coup, c'est pas complètement foufou quoi. Et tandis que Spirit, c'est vraiment très original. C'est niche comme jeu. Mais en fait, c'est un peu trop niche. Et ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un point d'accroche qui soit clair. Ce point d'accroche, c'est ça. Et du coup, après, les détails de jeu, le fait qu'il y ait ces petites choses, puissent attirer, quoi. Et en fait, Spirit, c'est souvent les jeux qu'on fait, ou surtout Spirit, c'est un peu deux jeux en un, en fait. Il y a un jeu un peu de course, action en haut, et un jeu un peu aventure, limite RPG, peut-être pas RPG. Petit jeu d'aventure en bas, et les deux collaborent ensemble. Cohabite, mais c'est pas très vendeur en fait, surtout quand il y a autant de jeux maintenant, la qualité des jeux de manière générale a augmenté. Les indés connaissent. Il y a un temps où en fait, par exemple, mettre des vibrations de caméra quand tu shootais, c'était un truc que seulement les pros connaissaient quoi. Maintenant, toutes ces petites features qui donnent un jeu feel good ou qui est bien, c'est devenu un peu la base. La plupart des gens connaissent ça. Et du coup, Spirit, il manque un truc. Il manque encore un truc. Mais j'y crois encore. On a le prototype. Du coup, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va signer. Enfin, on va essayer de signer ce prochain jeu qui est avec la
le système de Captain Velvet Meteor. Et pendant qu'on fait ça, on va essayer de pitcher Spirit pour directement avoir le tremplin sur l'autre, vu qu'on a déjà le prototype. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, deuxième chapitre, donc là on est au quatrième, le feu. On n'est pas encore en enfer, mais on est en train de descendre de plus en plus bas. Donc on a commencé, c'était l'herbe, deuxième une cave, troisième monde enneigé, et celui-là c'est The Burning Something. On n'a pas donné de nom en fait. Vous remarquerez que le jeu n'a aucun texte. Il y a des trucs qui bruit. Donc quand je meurs, je crame. Mais on a toujours aussi la pétrification. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et vu que c'est de la pierre, ça reste. Voilà. Ouais, alors carrément, ouais. Je viens de regarder Perceval, j'étais au quatrième level. Ouais, ouais. Quatrième level, tu parles du quatrième level. Genre quatrième épisode. Enfin, chapitre, là où on est. Ou bien le quatrième, genre quatrième level en tout. Oui, il manque de storytelling en fait. On a fait ça. Faut qu'on... Ah ouais, ok. Ah, t'as été quand même assez loin. En fait, le truc, il faut savoir, on a fait ça les vendredis et le soir, quoi. Les vendredis parce qu'on avait pris, notre job à 80%. Et le soir, et j'étais tout seul. C'est moi qui ai fait tout ce que vous voyez là. Cette fois-là, j'ai pas eu d'aide pour Captain Velvet, on a eu justement l'aide de Fabrice Lindy et de d'autres personnes, mais là, moi, j'étais tout seul, et pour faire de la narration, il faut créer du contenu, quoi. Et j'ai pas... j'avais pas forcément le temps, en fait, on n'avait pas d'argent non plus pour... Donc vraiment, c'était comment faire le maximum avec le minimum. Et du coup, ouais, clairement, moi, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, on avait cette idée à un moment donné de se dire, on refait. Je sais pas comment on aurait fait en fait. On essaie de se faire un peu de blé, et avec le blé, on voulait faire une version. Je crois que j'y suis. On voulait faire une version de Perséphone avec vraiment de la narration, etc. Ou garder le système Perséphone avec tous les mêmes. On a essayé de discuter. Ouais. Ouais. Design, c'est moi, mais Captain Velvet aussi en fait, sauf les personnages. Les personnages ont été faits par justement Fabrice Nindy, qui ça fait très Dofus. Mais le reste de Captain, c'est aussi moi. On est une petite équipe en vrai. Hein. Mais du coup, pour Perséphone, moi j'aurais bien voulu mettre beaucoup plus de cinématiques. Il y en a là, si t'es au quatrième, en fait, tu verras qu'il y a, une cinématique, une pseudo-cinématique vers la fin, mais. C'est vrai que le storytelling, il est très très minimal. Après, il y a aussi l'addon qui était gratuit, qui est Déméter. Ça s'appelle juste Déméter, je crois. Et en gros, Déméter, tu as un petit peu plus d'explications de du quoi, du comment, mais c'est vraiment c'est basique quand même. Ou en fait, Perséphone. Se barre vers les enfers justement de Hadès, et Déméter qui est la mère de Perséphone. Du coup elle est ultra fâchée. Elle est ultra fâchée et elle descend en fait aux enfers avant que Perséphone arrive pour en fait, trigger tout ce jeu qu'on est en train de faire là maintenant. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est à cause de Déméter. Et du coup, il y a un twist comme ça. On avait quand même réfléchi à quelque chose, mais on n'a pas réussi à faire de la narration. Tandis que Captain Velvet Meteor, là, c'est... Surtout avec des mangas, t'es obligé de faire de la narration, même bien épaisse. Et on avait... Il y a David Javet, justement, qui a bossé sur... sur tous les textes. Comment je dois faire là? Expliquez-moi. Je crois que je vais pousser ça à mourir là. Si je pousse ça en plus, ça, ça va. Je pousse ça ici. Ça. Ensuite, il faudra que j'enlève ça. Parce que je dois quand même réussir à mourir ici.
Et maintenant, je suis coincé. Je pourrais passer, mais... Ah! Aidez-moi! Aidez-moi à jouer à mon propre jeu. En gros, tac, ça c'était bon, ça c'est bon. Il y a même il y a la petite icône là avec le point d'interrogation qui vient de dire, bon, est-ce que t'as besoin d'un tips? Parce que je vois que t'es assez nul. Si jamais tu veux, tu peux. Ce qu'on fera, c'est mettre là. Donc là, je peux pas mourir. Je peux, donc ce que je vais faire, c'est repousser celle-ci. Et voilà! Ah ouais, c'est clair. Non, puis surtout les levels, ça fait un moment quand même qu'on a créé. On a fait tous les levels à la main, testés, etc. Mais on n'a pas tous fait tous les levels. C'est-à-dire que moi j'ai créé certains levels, Guillaume a créé des levels, Cédric a créé des levels. Et donc on n'a pas tous la même manière de penser. Et du coup, moi il y a des levels que j'arrive pas encore. Je sais qu'il y a un ou deux levels que j'arrive pas à passer. On va bien rigoler, je pense, si on y arrive. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand plus il y a du monde qui crée des contenus, en fait, plus tu as de la surprise aussi. Boum, parce que oui, les cordes brûlent. Ça va, je m'en sors encore pas mal. Là, on a eu un peu de peine sur un level, mais elle va faire ça tout en parlant presque. Non, là je l'ai pas. Est-ce que... non, en fait, on s'en fout de ça. Voilà. Oh non. Ça, on est d'accord, on est là. Boum. Les deux corps, ils me permettent de... Ça, dingue. C'est bon. Ensuite, on fait un mur. Un mur de Perséphone ici. En fait, il faut surtout pas mourir là-bas, autre que... Surtout pas mourir autre que ça. Pour revenir. Et être bien tranquille caché derrière, mourir ici et être caché. Hop, voilà. Ok, là il y a une nouvelle maquette. Donc, aussi, le principe qu'on a fait, qu'on a essayé de faire dans Persephone, c'était assez intéressant. C'est dans le level design de toujours donner un level facile où on apprend un nouveau truc, un deuxième level un peu plus difficile où on challenge avec cette nouvelle mécanique, ensuite un troisième level qui introduit une nouvelle mécanique, et ensuite dans le quatrième genre faire un gros challenge, et puis après le gros challenge de nouveau un level simple pour en fait donner l'impression aux joueurs, enfin pas de une fois que par exemple on a fait un gros effort comme ce que j'ai fait avant là, j'ai essayé plein de fois plein de fois plein de fois, bah, le level d'après il était simple en fait, même s'il donne pas l'impression d'être simple, il reste un peu simple pour que en fait le joueur il l'abandonne pas en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Lâcher la pression et être capable de dire ah non mais en fait ça va, je suis intelligent. Enfin, le jeu est encore sympa quoi. Mais il me prend pas pour un con en fait, c'est un petit peu le truc, t'sais. Le jeu est sympa mais il me prend pas pour un con, il me donne du challenge quand il faut. Là par exemple c'était pas très difficile, on a introduit la nouvelle mécanique et là poum, nous donne un challenge avec ce qu'on avait avant, donc c'est dalle que tu peux mettre. Et ça commence à devenir complexe parce qu'on a le truc de feu, les dalles avec les lignes, les sortes de caisses remplies de poudre à canon là, à canon vert, pourquoi pas. Donc là, je pense qu'il y en a un que je dois mettre là-dessus, mais pour le mettre là-dessus, il faut que je... Là, en gros, il manque des lignes. Il faut que je mette les dates. Je vais mettre là. Tiens. Ensuite. Celui-là. Ah non, 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 non.
Je pense qu'on après ce chapitre, si j'arrive à le finir, on se refera une session. La prochaine fois, je ferai la session avec justement avec les prochains. Enfin, je vais faire deux chapitres par fois. Sauf si un chapitre me prend vraiment du temps parce que je suis vraiment trop nul. Typiquement le cinquième chapitre de Perséphone, parce que comme j'ai dit avant, il y a deux. Et là, ça devrait être bon. Donc maintenant, j'ai juste à crever là. Faire des streams avec Perséphone, tu vois un truc tout kawaii et tout, puis t'es là, alors je vais mourir là, ensuite je saute là pour crever, voilà, là je me suis bien cramé le visage, tout va bien, on est bien. Ok, donc là, est-ce que c'est là qu'il y a un secret? J'ai l'impression qu'il y a un secret ici, je suis pas sûr. Bon. C'est ici que je vais devoir mourir. Avec le truc de feu. Mais il faut que je fasse un chemin. Donc si je fais ce chemin là. Ouh, doucement, calme-toi. Si je pose ça ici. Est-ce que ça va brûler? Parce que le but c'est de brûler ça. Hein, donc... Ah non, pas ça. Le but c'est de brûler ça. Et je me demande si j'avais mis quelque chose là par exemple. Est-ce qu'il y avait un level secret ici? Parce qu'il y a un level secret dans chaque chapitre. Il y en a un à chaque chapitre. D'ailleurs, je vais essayer un truc. Attends, parce que ça, je peux le recommencer quand je veux. Viens ici. En fait, ici, vous voyez, il y a les carrés, les levels carrés et le triangle. Le triangle, c'est un level secret et il est toujours placé sur la ligne, enfin sur la même ligne. De où l'entrée est posée. Donc là, il est sur l'entrée où je suis, en fait. Mais je sais pas si c'est ce level. Mais à mon avis, je suis dans le bon level. Comment vous avez procédé dans la construction du jeu sur Unity? C'est une scène qui contient tous les levels d'un chapitre où tu déplaces la caméra. En gros, le principe... on déplace les levels, pas la caméra. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a... chaque level est dans une scène. On upload... 3 levels sur la scène, une autre scène, une scène principale, et à chaque fois qu'on finit un level, le level actuel a une petite animation, il part vers le haut et se décharge, donc il disparaît. Enfin, tout bouge comme ça, donc le prochain level vient se positionner à la place du prochain level, et on charge le troisième level dessous en fait. Et du coup, il y a toujours un level qui est chargé en avance et un qui disparaît, donc on a toujours 3 levels au même endroit. Et on a eu quelques problèmes à un moment donné parce qu'il y avait trop de particules sur, genre par exemple, imaginons qu'on a un level qui est vraiment très grand et a plein de particules et qu'on vient le charger, et du coup ça fait des petits problèmes de dans les levels par seconde descendre et comme ça. Mais de manière générale, c'est assez peu, ça bouffe assez peu de GPU, de CPU, tout ça quoi. Donc voilà comment on a procédé. Je vais essayer un truc. Je cherche quand même ce level secret. Je sais que c'est pas la sortie, mais je vais voir si ça donne quelque chose. Ça, ce chemin là. Ah non, non. Là. Il y a un chemin. Est-ce que en rentrant dedans. Y'a rien. Du coup là. J'aime bien les jeux où on doit chercher des petits secrets. Je suis assez fan de ça et du coup j'aime bien en mettre dans les jeux. Dans Captain Velvet c'est tout au pourcentage, donc normalement... Du coup, tu sais exactement ce que tu vas avoir, c'est-à-dire il y a un pourcentage et t'as des... comment on appelle ça? Des quêtes bonus. Mais il n'y a pas vraiment de... Les seuls secrets, c'est les stickers. Ça n'a pas du tout marché. C'est les stickers qu'on doit trouver. Et puis, en trouvant les stickers, on a les boss bonus, etc. Du coup, Hazard, toi, tu bosses sur Unity aussi ou...
j'aime pas celui-là. Alors attends. Déjà ça c'est clair. Pas facile à prononcer, oui. Plutôt du dev sur Unity, hein. Ok, du coup t'es ingénieur, donc. Ah ouais, Godot. Et alors comment Godot? J'en entends pas mal parler. Moi je suis, du coup, vu que je suis côté artiste, si j'ai bien une frustration, c'est celle de pas pouvoir faire mes propres jeux, genre imaginons, je sais pas moi, faire un game jam par exemple. Je suis incapable de faire. Ok, c'était pas ça. Je suis incapable de faire une game jam tout seul en fait. Et je me demande si avec des programmes comme Godot ou comme ça, je serais capable de m'en sortir, quoi. Ok. Ouais, c'est un peu le profil parfait pour du 1D1. C'est un problème, mais je peux pas passer. Artiste et dev, c'est... Ouais, c'est le truc parfait. En même temps, ben, tu fais tout un peu. C'est un peu compliqué de... Je vois Thomas Olson là qui a fait la musique de Captain Velvet Meteor et qui a sorti deux jeux, dont un avec Devolver Digital qui s'appelle Olia, qui est un jeu ultra cool. Et dans le son... Ah. Désolé. Je commence à perdre patience. Dont le son en fait est juste incroyable, et lui il fait tout sur Construct, donc principalement des jeux de plateforme, mais pas de plateforme en fait. J'ai fait des jeux de baston avec ça, et il a vu à un moment donné justement qu'il arrivait sur ses limites, et du coup là le jeu sur lequel je bosse aussi d'ailleurs c'est l'artiste, c'était pas grand, bah il a demandé à un dev quoi. Parce qu'il est quelqu'un qui fait que ça vraiment. Parce qu'il atteignait justement ses limites. Du moins, c'est ce que je. Voilà. Le secret. Ah non! J'en peux plus! Est-ce qu'on fait le level secret ou pas? Le problème, c'est que je fais tout, mais des fois pas assez. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça en fait, c'est que tu fais tout et pas assez en profondeur. Et moi je suis comme ça aussi, hein. Donc je fais de l'animation, je fais de l'illustration, je fais des particules, je fais du game design, je peux faire du sound design un petit peu, parce que j'ai fait de la musique depuis que je suis petit, mais bon, j'ai pas la technique. Je fais tout un petit peu, mais finalement j'ai dû me concentrer sur le game design. C'est là où le fait d'avoir tout dans la tête comme ça tout le temps, c'est un truc que j'aime bien. Plutôt que j'ai pas le choix en fait, ma tête tourne toute seule. Et du coup le côté game design et de bosser en fait avec la team pour que tout se passe au mieux, que les gens qui savent faire fassent, que les gens qui savent pas faire laissent faire, etc. Je crois que il faut trouver en fait sa force. Moi personnellement j'ai l'impression que c'est ça. Après je rêverais quand même de pouvoir faire un peu de... assez de code en fait pour tester des trucs et faire des petits protos tout seul quoi. Voilà, ouais, je suis dev dans la vie professionnelle mais j'ai toujours dessiné. C'est probablement plus simple en fait de faire... Enfin plus simple. Tu peux toujours faire des jeux sans art. Maintenant avec l'IA tu oublies, tu sais... Entre les asset stores de... Oui, il me paraît compliqué celui-là. Entre les asset stores de Unity que tu peux acheter et les IA maintenant, t'es un peu... tu vois, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Mais un artiste qui sait pas coder, ben... Cul un peu, quoi. Bon, maintenant, il y a des IA qui codent aussi, mais... Je sais pas à quel point on peut faire confiance. Aussi... Personnellement, les jeux que je fais, c'est tout. Il y a toujours un petit peu un twist. C'est jamais c'est jamais très simple en fait. Il y a toujours quelque chose qui, pour moi, m'intéresse et du coup, qui fait que je peux pas utiliser des trucs préférés en fait. Je dois toujours un petit peu les updater. Ah, je sens que je vais pas le faire celui-là. Je me saoule déjà. Attends.
Comment que je passe? Aidez-moi. Je vois un peu là ce que je pourrais faire, mais... Tiens, c'est le premier truc à faire. Parce que là, je peux pas mourir, donc de toute façon, je peux pas brûler tout ça pour killer cette plante. Je peux mourir là en bas, donc ça va prendre. Si vous regardez la ligne, elle va tout là. Là-bas, il y a une caisse de poudre que je peux mettre devant la laser qui est en haut. Et du coup, en faisant ça, si. En faisant ça, ça fera quoi? Ça fera rien. Mais ça fera rien. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Comment que je fais là? Et là, je vois, là, il y en a un. Là, celui-là, là. Non, juste ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Non. Là, je peux déjà faire quelque chose. Attends. Si je viens mourir là, ça ouvre déjà ce passage. Si j'ouvre ce passage là, on progresse déjà un petit peu. Là, tout ça, c'est du bois, donc ça va brûler. Si je viens là, je vais brûler deux trucs en même temps. Yeah! Kimuchi. Du coup, là, il nous reste deux. Celui de en haut là, celui-là je peux brûler avec justement la caisse qui va venir ici. Et celle-là là par contre je sais pas parce qu'il n'y a pas. Ah oui je crois que je sais. En fait il faut que je mette ça ici. Je me vois juste. Hey ok tu crois ouais. Wesh. Et je suis même pas sûr, tu vois, je suis même pas sûr que c'était la solution principale. Comme quoi, notre jeu, il a des multi-solutions. Alléluia. J'ai de la peine à utiliser que l'IA. L'année passée, j'ai fait une game jam à Fribourg où nous devions utiliser l'IA pour nos créations. C'était très intéressant. J'ai fait le visuel, pas le dev. Cette fois-ci, on cherchait à produire des tile maps avec Midjourney. J'ai vite abandonné. On est parti sur les bases créées par l'IA et ensuite travailler. Ouais, bah je pense que en fait l'IA. Ah non, je dois revenir là. En fait, l'IA, elle est vraiment, c'est, elle va fonctionner comme un middleman. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, moi, ce que je vois comme, c'est un peu triste en fait, mais. Quand j'ai, imaginons que j'ai pas d'idée. Là, j'ai besoin, j'ai deux assets de ces trucs à pic là avec des flammes dedans. Et je me répète, je suis toujours en train de faire un peu la même chose. Et là, je suis là, bon, faut que je trouve une idée un peu plus cool que ça. Et boum, je demande à l'IA, est-ce que tu pourrais me faire 6 variantes à partir de ces variantes là pour voir s'il y a pas des trucs originaux qui ressortent. Et il te sort des trucs. Et 4 sur. 4 sur les 6, c'est genre nimp. Et t'en as un qui est là. Ah, j'avais pas pensé à ça, ce serait cool de mettre ça. Bonne idée. Mais en fait, tu pourrais aussi demander à un pote développeur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ça, si t'es un solo dev et tout, ça peut aider, à mon avis. Mais c'est pas. Je le vois pas encore comme une application vraiment 100%. Genre. Enfin, les gens qui font des NFT, quoi. Si ça existe encore d'ici là. Je pense qu'ils y voient vraiment une mine d'or, quoi, parce qu'ils ont même plus besoin de demander à des illustrateurs. À des illustrateurs, ils essaient de se faire du blé avec la vente de NFT fait par IA en disant c'est moi qui ai fait parce que j'ai pesé sur un bouton. Mais je pense que l'IA doit être un entre-deux, quoi. Ou genre, t'es en train de coder et tu lui dis écoute, là voilà, je suis en train de coder un truc. J'arrive pas à trouver une manière plus simple de coder ça, mais j'aimerais que ça fasse ça. Et il te sort un truc, t'es là. Pourquoi j'y avais pas pensé, quoi. Je pense que là, ça peut vraiment servir. Moi, d'un point de vue artistique, j'aimerais bien avoir une IA qui soit uniquement entraînée sur mon style. C'est tout. Genre, aucun accès à Internet. Il connaît tout ce que je fais. Mon style. Et du coup, comme ça, je peux faire... Écoute. Regarde. J'ai fait ça.
Je suis bloqué, j'aimerais faire ça, mais avec, j'en sais rien moi, avec un thème différent. Est-ce que tu pourrais me sortir un truc à mon style? Et ensuite, eh ben, je le reprendrai et je le redessinerai en fait. De toute façon, je le redessinerai. Je pense pas que je laisserai l'IA faire complètement à ma place. Bon, les gars, je suis coincé. Là, on est en mode Sokoban 100%, c'est-à-dire qu'en gros, je vais devoir mourir après, mais là pour l'instant, c'est pousser des blocs dans le bon sens. Si je pousse ça dans ce sens-là, ça me bloque pas. En même temps, j'ai l'impression que c'est ça que je dois faire. Par contre, je sais pas si ce que je viens de faire, c'était bien. Ça, oui. Oh. 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 Magique. Bim. Tu vois, comme quand on découvre par chance un truc qu'on devrait réfléchir. Parfait. Parfait, ben écoutez, on est arrivé au bout. Donc, Tale of Demeter, voilà, ça c'est le prochain. Je pense que la prochaine session, on commencera là. Je vais pas abruptement finir le chat comme ça. Je veux dire le stream comme ça. Mais pour Persephone, on est arrivé au bout. Continuons à parler un petit peu de développement là. Quelle heure il est? 21h30. On a fait 1 heure, c'est bien. En général, j'essaie de faire un peu comme ça, sauf quand il y a des invités en le temps. Donc la semaine passée, on a fait, donc c'était samedi, mais j'ai fait un interview presque 1 heure et demie avec mon père qui a fait les musiques pour Perséphone et qui est donc moi j'ai pas vécu avec mon père quand j'étais petit, mais je le vois, enfin il habitait dans la même ville que moi, donc on allait, j'allais chez lui le week-end et tout ça. Mais c'était intéressant pour moi aussi, hein, personnellement, en fait, d'apprendre vraiment son parcours. Mais je pense que pour les gens qui sont intéressés pour la musique et qui font de la musique, par exemple, qui n'a pas de la musique de jeux vidéo, lui, il est compositeur. Et il a commencé vraiment dans le classique, contemporain, etc. Et il explique, bon, c'est très profond, il connaît vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc des fois, il sort des noms, ben, tu sais pas forcément qui c'est. Mais pour les gens qui sont calés dans le domaine, je pense que c'est super intéressant. Pour moi, c'était super intéressant en tout cas. Et de voir en fait la manière de réfléchir justement pour créer des musiques et la différence entre, par exemple, écrire toutes les notes ou les transitions, justement, qu'est-ce que tu dois faire. On a parlé un petit peu d'IA aussi, un petit peu de SF, science-fiction donc, pas San Francisco. Et ouais, c'était super intéressant. Il a fait la musique de toute la musique de Perséphone et il a fait une musique pour Spirit, justement, que je passe d'ailleurs dans la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour les Let's Play, donc on se revoit dimanche prochain pour discuter un peu. Et là, moi je suis posé là un petit peu. Donc si vous voulez, si vous avez discuté un petit peu ou poser des questions, n'hésitez pas. Je reste ici. Je me demande si on peut pas mettre un tout petit peu de musique en fond là. Vu qu'on n'est pas monétisé, quoi qu'il en soit, on s'en fout un peu de savoir si. Ah, skatepark. Enjoy. Mais pareil, plaisir. Et je pense que ce format-là, 1 heure court, c'est assez cool aussi. Parce que du coup, ben, pareil, pour typiquement Yashi, tu peux quand même. Enfin, vous pouvez quand même profiter de l'après-midi. Mais on peut quand même. Quand même se voir et discuter un peu à fond. Bah alors du coup je vais pas mettre de musique, je vais couper le live ici et dimanche prochain, hein, vous revenez, je vous attends. Ça marche? Parfait. Ben alors bon après-midi, profitez bien. À plus. Ciao ciao.